Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire une recette traditionnelle du temps des fêtes de Noël ici au Canada. Ça s'appelle le eggnog, mais on l'appelle aussi le lait de Détrompez-vous, les poules ne donnent pas de lait. N'essayez pas d'aller les trahir, personne. Vous allez vous faire griffer, ou je ne sais pas ce qu'une poule pourrait vous faire. Soyez prudent. On l'appelle lait de poule parce que c'est fait à base d'œuf. En fait, l'œuf dans tout ça, c'est très mineur. Vous allez voir dans les ingrédients. C'est surtout un assemblage d'alcool. Fort, dans lequel on met un œuf. Avec un peu de recul, ça me fait penser à ce qu'on va passer dans les médias sociaux de nos jours des photographies d'une recette traditionnelle comme une pizza par exemple, mais sur laquelle on va mettre un œuf au plat ou même chose, une poutine avec un œuf au plat, une salade avec un œuf au plat par-dessus. C'est un peu le même principe, mais dans une boisson très 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 chargée en alcool. Puisque la recette est très traditionnelle, je suis allé déterrer dans une boîte, dans le fond de mon garde-robe, un vieux livre de cuisine, un livre que tout le monde avait ici au Québec à l'époque, un livre qui vient de la grand-mère de ma femme, c'est l'encyclopédie de la cuisine canadienne par Jeanne Benoît. Probablement qu'en France, ça ne dit rien à personne, du moins j'en sais rien, mais ici, tout le monde avait ça. Dans sa cuisine. C'est le genre de livre qui a traversé les époques, les pages couvertures se défont, c'est pas grave, ce qui nous intéresse, c'est le contenu et aujourd'hui, la recette du eggnog. Première observation en regardant la recette, c'est la Quantité d'alcool qui entre à l'intérieur. D'abord, on dit que la recette est bonne pour 50 invités. Donc déjà, imaginez si les familles d'autrefois étaient beaucoup plus nombreuses que de nos jours. L'ingrédient principal de la recette, c'est drôle à dire, mais c'est le rail. Le rail, c'est un whisky canadien. Ici, j'ai une petite bouteille de 750 ml. C'est quand même un alcool fort à 43 d'alcool. Eh bien, ma bouteille ne serait pas suffisante pour pour la recette, j'aurais besoin d'environ une bouteille et demie comme ça. Et le ray n'est pas le seul alcool fort entrant dans la recette, il y a aussi le cognac. Le cognac, si j'ai une bouteille de 750 ml, et c'est exactement ce que ça me prendrait pour la recette. J'aurais donc besoin d'une bouteille et demie comme ça, d'une bouteille entière comme ça, et ce qui est très drôle, c'est que optionnel, on demande deux cuillères à table de rhum. Et une cuillère à table, c'est vraiment pas beaucoup, donc je vois pas en quoi le rhum irait changer, quoi que ce soit à la recette. En fait, je l'ai dit plus tôt, la recette est pour 50 personnes. Faites pas la recette complète chez vous si vous êtes seulement vous, votre femme femmes, deux, trois invités, vous allez être malade si vous buvez tout ça. C'est vraiment une recette que l'on doit remettre dans son contexte, une recette du temps des fêtes, de Noël. Et Noël ici au Canada, c'est l'événement de l'année où les gens se rassemblent, s'en vont au même endroit et j'imagine doivent s'attendre à boire comme des défoncés. Du moins, à l'époque, 1963, c'est l'année de l'édition du livre que j'utilise aujourd'hui. Alors, bien que ça pourrait être amusant de mélanger une douzaine d'œufs à 150$ d'alcool fort, c'est pas le genre de chose qui se conserve très bien. Vous vous en doutez, je vais utiliser des œufs crus que je vais mélanger à l'alcool. Bon, l'alcool peut préserver un peu les choses, mais bon, je n'ai pas la grosseur de portefeuille pour me permettre de brûler 150 d'alcool. Je vois déjà Madame Jeanne benoît me regarder avec dédain, moi qui m'apprête à faire. Une version de sa recette avec seulement un œuf. Donc, je vais tout diviser les ingrédients par 12. Parlons des ingrédients dans la recette, surtout des unités de mesure. Une chance que je suis canadien, mais Jeanne Benoît, elle, du fond de son 1963, ne se gêne pas pour utiliser des pintes, des onces, des tasses, des cuillères à table. Donc en soi, c'est déjà un peu mystérieux, mais de diviser tout ça par 12 pour euh, retomber sur mon seul œuf, ça a été un peu une petite gymnastique mathématique. Juste pour votre information, je ne vais pas vous assommer avec ça, mais une tasse, c'est 8 onces, une pinte, c'est 20 onces, une cuillère à table, c'est une demi-once, et une once, c'est environ 30 millilitres. J'ai tout ramené en millilitres pour nous faciliter de la tâche, je vous évite les détails, mais Microsoft Excel m'a beaucoup aidé dans le processus. En tout, mon douzième de recette devrait me donner une quantité d'environ 300 ml. Allons-y avec la recette! Première étape, on va séparer le blanc du jaune de notre œuf. Ensuite, on va ajouter 30 ml de sucre à notre jaune et on va le battre jusqu'à temps que ce soit très clair. Il y a des choses dans la vie qui se font mieux en grande quantité et battre un jaune d'œuf avec un peu de sucre, pas facile! La prochaine étape serait de préparer un lit de glace sur lequel on va déposer notre bol à punch, mais bon, je ne ferai pas un gros, gros, gros récipient de la recette. Je vais sauter cette étape. Prochaine étape, on va ajouter 50 ml de lait à notre mélange œufs-sucre. Ma technique pour réduire les quantités, on s'entend que c'est juste pour moi la recette, donc je me permets un peu de liberté. J'ai l'impression de faire un gâteau. On mélange bien. Ensuite, on va fouetter de la crème, de la crème à fouetter, 35% ici, même quantité, 50 ml. Il y a quelque chose de triste à fouetter seulement, 50 ml de crème. Bon, la recette ne précise pas jusqu'à quel point fouetter la crème. Je pense que c'est une bonne consistance. On ajoute nos jaunes d'œufs, le lait à notre mélange. À présent, j'imagine la grand-mère de 1963 dire à ses petits-enfants « Quitter la cuisine, c'est rendu une recette pour adultes. » Ça n'aura pas l'air très impressionnant, je vais en prendre seulement 100 millilitres, mais imaginez à l'époque la grand-mère qui vide la bouteille au complet, puis une plus grosse bouteille que ça, et non seulement elle vide la bouteille au complet, mais elle ouvre une bouteille de cognac, ce format-là, puis on en ajoute encore au complet dans le mélange. Alors c'était 100 ml de rail et 60 ml de cognac. Un cognac de petite champagne quand même. Dans les commentaires, si je vous insulte. Waouh, quand même ça fait beaucoup d'alcool, je pense pas boire ça tout seul. Prochaine étape, on ajoute notre alcool au mélange en brassant constamment. Ça a vraiment changé d'odeur complètement. Ça sent vraiment le gros alcool fort à plein nez. À partir de maintenant, on peut espérer que grand-maman n'a pas trop bu du mélange. Elle va devoir fouetter des blancs d'œufs, les monter en pique assez ferme. En fait, il faut les battre en neige j'ai changé de contenant l'autre était trop petit toutes les étapes que je suis en train de vivre sérieusement tout ce que ça me fait penser c'est que grand-maman voulait montrer qu'elle connaissait plein de techniques de cuisine comme battre des jaunes d'œufs avec du sucre fouetter de la crème monter des blancs en neige mais après on met tout ça avec tellement d'alcool que je suis même pas sûr que ça fait une différence tout ce qu'on est en train de faire J'aurais pu sans doute mettre les ingrédients un par un sans les fouetter, sans les monter en neige, pis ça aurait fait exactement la même chose. Vous vous doutez de la suite, on va mettre nos blancs avec notre mélange. Et ici, je vais essayer de pas trop mélanger pour détruire mes blancs d'œufs. C'est presque terminé. Je vais vider le tout dans un verre. La fin de l'histoire, mes enfants! Arroser la surface de l'eggnog avec le rhum et saupoudrer au goût avec de la noix de muscade fraîchement râpée. En gros, c'est environ 3 ml de rhum qu'on devrait ajouter à notre eggnog, c'est ce que je vais faire. Je n'ai jamais autant travaillé pour un cocktail, on va voir si c'est bon. Ça goûte vraiment pas celui que j'ai acheté à l'épicerie dernièrement pour faire le fromage à base de lait de poule. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous en mettre une juste ici. Ouh. Le haut du eggnog est très crémeux, aérien. Le bas est un peu plus liquide. Donc, finalement, grand-maman, c'était peut-être important de bien suivre toutes les étapes. Je ne vous mentirai pas, c'est très, très, très alcoolisé comme breuvage. Soyez responsable. Ne faites pas la recette pour 50 personnes si vous êtes seul. Sur ces bonnes paroles, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.